voilà une première vidéo sur les études. C'est l'occasion de voir de très très jolies positions, de très jolies créations. Dans cette première étude de Smyslov, les noirs sont sur le point de faire promotion d1 dame et Smyslov propose ce premier coup avec tour c2. Sur D prend c2, nous avons tout simplement fou f1 échec, seul coup roi g4, fou e2 échec, roi f5, fou d3 échec, roi e6, fou c4 échec, roi d7, c'est quand même étonnant, mais il y a nul par répétition. Sur tour c2, nous avions une autre possibilité, c'est le pion qui fait dame, mais dans ce cas-là, nous avions, en tout cas, Smyslov avait prévu fou c8 échec, e6 qui ne fait que retarder, fou prend échec, f5, fou prend échec, g4, tour h2, mat, magnifique. Dès qu'on parle d'études, évidemment, il faut connaître, avoir vu au moins une fois cette étude de Ritti, 1121, si connue, qui illustre la règle que le roi va aussi vite sur la diagonale que sur les colonnes et les rangées. En général, c'est pour poursuivre deux objectifs. Le trait est au blanc ici, je vous rappelle, c'est une étude de Ritti, 1921, et les blancs jouaient roi G7. Donc, les noirs sur H4, on se demande comment faire pour attraper ce pion. Les blancs n'ont pas perdu leur sang-froid. Roi F6. Si H3, nous avons tout simplement roi E6, H2, C7, menaçant dame. Et la position est nulle. Si les noirs jouent roi B7, tout simplement roi D7, dame. Dame et la position est nulle. Reprenons. Roi G7. H4. Roi F6. Si le roi se jette sur le pion ici par roi B6, gardons notre sang-froid. Nous avons encore roi E5. On voit bien ici que le roi blanc sur la diagonale se dirige à la fois vers le carré et son pion C6. Si H3, le roi bascule sur la protection du pion. Et si le roi prend le pion, tout simplement, nous basculons dans le carré. Cette position est vraiment étonnante, mais c'est nul. Si le roi noir se jette tout de suite sur le pion, nous avons tout simplement roi F6. Si H4, roi E5, et on retourne dans la même position, H3 bascule sur le pion C6. Étude de Ritti 1921. Voilà encore une étude de Ritti. Le trait est au blanc et les blancs jouèrent roi G6 sur roi B6. Nous avons tout simplement roi prend. Si H5, roi prend F6 et nous retombons dans le même étude que précédemment sur H4, roi E5, roi prend, roi F4, nul. Évidemment, il y a d'autres variantes ici sur F5. Ici, il faut faire très attention. On aurait tendance à prendre ce pion F5, mais là, c'est perdant pour les blancs. Le bon coup est roi prend G7. Et sur F4, nous avons tout simplement roi F6, F3, roi E7, et la position est nulle. Si F2, C7, sur dame, dame et la position est nulle. Si le roi devait se ruer sur le pion ici, nous aurions tout simplement, voilà, pousse. Pousse.
dame. Excusez-moi, une petite imprécision, ce n'est pas roi des 7 qu'il faut jouer ici, mais roi des 6, on va comprendre tout de suite, puisque sur F2, nous avons tout simplement C7, dame et dame. Dans la première séquence, l'erreur était que j'ai fait commettre ici sur roi D7, F2, C7, et sur dame, si nous faisons dame maintenant, là ça perd, tout simplement parce qu'il y aura ici dame S5 échec, roi D8, dame prend dame, roi prend, et gagne ici avec H5. Encore une étude de Réti de 1922. Le trait est au blanc et ils gagnèrent après cavalier D4 échec sur roi C5. Je vous laisse quelques instants où vous appuyez sur la touche pause puisque les blancs vont jouer un seul coup provoquant l'abandon des noirs par roi H1. C'est quand même un coup tout à fait étonnant. Mais cela gagne tout de suite après roi H1. Pourquoi? Si le roi prend le cavalier, tout simplement, nous avons A6 et le pion ne peut plus être rattrapé. Donc le roi ne peut pas jouer difficilement. Si le fou devait jouer sur une case, par exemple fou G7, nous aurions ici échec gagne fou et la partie. On va peut-être essayer une autre case avec le fou. Ici, on voit tout de suite qu'il y a une autre fourchette en F6 encore une fois. Sur fou G5, encore une fourchette ici, décidément. Sur fou F4, nous avons cavalier E6 échec gagne fou. On commence à le comprendre. Sur fou D2, ici en B3 échec et gagne fou. Et sur fou C1, nous avons encore B3, échec et gagne fou. Donc récapitulons sur roi H1. Roi C5, roi H1. Que reste-t-il au noir? On aurait peut-être encore ce coup ici. Roi D5, mais c'est quand même très étonnant. Mais A6 gagne, puisque la case clé ici, où le roi peut rentrer et récupérer le pion, est tenue par le cavalier. Si on fait une analyse exhaustive de la position, on s'aperçoit que sur cavalier D4 échec, il y a d'autres coups. Commençons par roi D6, cavalier F5 gagne fou gagne. Sur roi D5, on vient le voir, là ça gagne tout de suite avec A6 et on ne peut plus arrêter le pion, le roi ne peut pas entrer dans le carré. Sur roi B7, C7 et D7, ça gagne simplement par roi prend pion. Et si vous avez fou D2 pour prendre le pion A5, tout simplement cavalier B3 gagne. Étude magnifique. On peut revoir les deux premiers coups blancs, simplement C5. Roi C5, roi H1 gagne. Sobriété, efficacité. Dans cette position, toujours de Réti, on se demande comment les blancs vont pouvoir gagner cette position, puisqu'ils vont la gagner. Parce que, apparemment, il va falloir donner la tour contre le pion. Sauf que la séquence est toute simple. Les blancs jouèrent tour C3. La menace ici, fou C1 et fou prend pion. Donc, sur B2, je vous laisse quelques instants, ou encore une fois, la touche pause. Et là, le coup des blancs est vraiment terrible, puisque nous avons fou C1. Sur pion prend fou, évidemment, tour prend gagne. Et sur B1 dame, 3-3, mat. La séquence est en plus forcée, c'est terrible, puisque sur tour ici, la menace est fou C1.
Si le pion ne devait pas jouer, nous aurions quoi comme coup? Fou. Roi A3, pardon. Fou C1, échec, gagne. Donc, à la limite, il faut bien voir que sur la séquence de coups, B2 est forcé. Fou C1. Si les blancs ne, pardon, si les noirs ne font pas dame, il y a tout simplement fou prend pion et gagne. Donc, B1, dame, tour à 3, mat. Magnifique. Encore une étude de Réti, on s'aperçoit que les noirs sont en passe de faire dame en H1. Et on se pose vivement la question, que faire avec les blancs? Eh bien, tour 8 sur H1, dame, cavalier E4, échec. Les cases ne sont pas très nombreuses. Sur roi C1, sur toute autre case, vous avez une fourchette en F2. Tour C1, pardon, roi C1. Tour F1 échec. Sur roi B1, cavalier D2 échec. Roi A1. Cavalier prend B3 échec. Roi B1. Cavalier D2 échec. Roi A1 forcé. Et le coup gagnant ici. Tour C2. Puisque les noirs n'ont plus vraiment de coups. Ils pourraient essayer encore dame H3 échec, mais là nous aurions un contre-échec des plus terribles. Cavalier B3 échec sur dame prend cavalier, roi prend gagne. Et sur roi B1 tout simplement, joli mat arabe, tour C1 échec. Alors, évidemment, dans ce genre de position, on se dit que les noirs ont peut-être autre chose à faire sur tour 8, sur roi D1. Nous avons cavalier E4. On aura compris que si les noirs font dame, nous avons cavalier F2 échec toujours. Donc sur roi 1, comment continue la position? Cavalier G3 échec à la découverte. Roi F2, cavalier H1, roi attaque cavalier et tout simplement tour 1 qui gagne. Au niveau des fourchettes dans la première séquence, sur H1 dame, cavalier E4 échec, on aperçoit que le roi a quoi comme case? Il a celle-ci, celle-ci, celle-ci. Sur ces trois cases, nous avons cavalier ici, échec et gagne, dame. C'est pas ce qui a été joué. Quelle autre case? Sur roi D1, cavalier F2, échec. Roi C2 retombe dans la même séquence. Réti 1928, au blanc, très au blanc. Et les blancs font nul après roi C6. Sur la variante principale, on le voit. Sur fou A5, nous avons roi D5, fou C3, H7, sur F5, D7. Le roi est obligé de venir en E7 et les deux pions sont tenus. On prend l'utilité du coup fou C3 puisque la case E5 d'interception du pion noir est tenue. Comment gagner dans ce genre de position qui semble vraiment compromise. Le coup est magnifique. D8 dame, roi prend et roi E6 attaquant le pion. Il semble particulier puisque il y a tout simplement F4 et
Illustrant encore une fois cette règle que le roi va aussi vite sur la diagonale que sur la colonne et la rangée, Réti joua, proposa roi d5 et sur f3 gagne un temps sur le fou c3 et en même temps sur la case d3. La position est nulle tout de suite puisque si on continue évidemment sur f2 nous avons roi prend dame et dame pour ceux qui n'auraient pas compris. Donc roi c4, ici le fou en effet devait jouer par exemple fou f6, nous aurions roi d3 qui annule la position. D'autres variantes sur roi c6, sur roi f8, roi d7, fou b6, h7, roi g7, roi e6, et la position est nulle puisque les blancs vont sacrifier en h8 et prendre le pion f6. Sur roi c6, roi 8, h7 sans commentaire puisque le pion fait dame. Sur roi g8, roi d7, fou b6, roi e6 et la position est nulle. Et sur roi g6, encore une fois roi d7, fou b6, roi e6, sur f5, h7, roi prend h7, roi prend pion nul. Et sur fou d4, là c'est dramatique pour les noirs puisque ça gagne après d7. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Vous voyez en effet que les études, c'est vraiment toujours l'occasion de voir des motifs très très intéressants, surtout pour les personnes qui découvrent ce type de travail échiquéen. Merci et à une prochaine vidéo sur les études.